ça ici. Oui, en fait, Jean ça a été annoncé, eh bien, le président Biden a annoncé que bon bon monde qui est déporté, li pral le travail pour tourner monde back, tout le monde ça yo back aux États-Unis. Et intelligemment, il a commencé par vétéran. Par contre, tu comprends. En fait, sur le plan politique, c'est un pigo mal pour nèg la passer dans là, mais quand ça t'a dit un vétéran, nèg la baie ville, la goumen pour pays, sacrifier, font ensemble de sacrifices. So, qui justification pour le déporter de là là. Mon bon vétéran qui a été déporté sous Donald Trump, administration Biden là. Donc lui-même, lui passer de la parole aux actes, lui va le permettre. D'abord, il a commencé par vétéran qui a été déporté. Non seulement vétéran, mais famille, member, il dit madame, petite vétéran ça, il va le permettre qu'il puisse retourner aux États-Unis. Département blanc sécurité à l'intermédiaire de Alejandro Mayorkas, lui passer l'ordre avec Immigration Agency pour yo prendre action rapide, immédiat, pour yo assurer yo que tout éligible vétéran pour yo capable retourner aux États-Unis suivant memo ça que yo bail. Mayorkas dit gouvernement pral rewè politique sous causé pile et vétéran que yo déporté. Département de sécurité reconnaît justement profond engagement et sacrifice service member ça aux familles au fait pour les États-Unis. Mayorkas non déclaration il dit ensemble avec partenaire dans le département vétéran affaires nous prenons engagement pour nous retourner militaire ça de service member vétéran et immédiat relative yo madame petite yo parce que c'est de manière injuste que yo té retiré au dans pays et assurer que yo recevoir bénéfice que yo mérité dit n'a prend étape important pour nous faire bagay ça a tourné en réalité pour le parité n'en parler en pile. Département de la sécurité a travaillé pour lui mettre des ressources pour aider vétérans qui intéressés avec immigration application la travail pour l'assurer que vétérans ont accès à bénéfice que yo normalement té et que yo te mérité et maintenant action ça et Washington Post qui te rapporté li vendredi qui s'est passé là Immigration National Act permet que service member yo pou capable venir citizen si yo satisfait certains éligibilité certains critères en 2019 rapport gouvernement comptabilité a te joint qu'effectivement que les états et even que et donc yo pas vraiment yo pas même qu'à contrôler valeur vétéran ou déporté parce que ici pas gagné yon comme t'as dit ça de manière consistante pas choix valeur vétéran ça rapport noté que en pile dans vétéran ça yo qui ont été retiré pas joindre nos niveaux de révision approprié pour case yo comme ancien service member advocacy group mandé pour que déporté vétéran yo et entrer en contact le grand temps entrer en contact à peu près 400 vétérans déjà qui déportés ou bien qui te fait face à la déportation qui gagne légal issue à un moment on a parlé là donc pas bien que là et très intelligemment ils ont commencé avec vétérans mais c'est pas vétérans seulement c'est tout groupe monde qui ont été déportés de manière injustifiée ils ont pour le permettre que depuis pas de gain doux process pour que justement gain des révisions qui fait sous dossier ça. Toujours dans d'autres updates qui gain rapport avec immigration et organisation qui défend droit monde, eh bien, yo parlé de violation droit monde dans immigration détention aux États-Unis et plusieurs autres encore. Gain à peu près 30 pays vendredi qui se passé là, yo exprimé inquiétude que yo gain par rapport avec violation des droits humains qui fait dans prison immigration par bon ici aux États-Unis et on demandé pour qu'il y ait des actions immédiates faites pour résoudre problème ça justement dans cadre 47e session Nations Unies droits humains t'a fait thème là c'est droits humains situation dans immigration aux États-Unis dans prison vidéo et meeting et qui était fait avec et des missions permanentes Nations Unies en Genève et China Venezuela Belarus démocratique people en Corée, haute Iran et Syrie, diplomate dans 30 pays ça, officiel à travers office des Nations Unies
High Commissioner pour Human Rights des ONG rapport participer dans l'événement ça. Ambassadeur de la Chine permanent représentatif dans l'ONU et mettez importance sous sécurité, dignité, droit moun sa yo et basic freedom yo immigrant ta supposé protéger d'après ça dit. Maintenant, donc nous voyons que bataille cap fait pour un ensemble de monde qui dans des gens intérieurs dit droit violé. Maintenant rappelons que gen aklou déjà lui-même. C'est première fois, première bataille, première fois aklou relé administration Biden dans la justice et yo relé particulièrement yo sous Biden particulièrement peut-être que gagné de monde que y a déplacé de un detention center à un autre. Donc yo dit les retirer moun yo comme ça, difficulté pour famille ouais yo, difficulté et difficulté et pour avocat yo travail et avec moun sa yo. Donc aklou li sous administration Biden nan pour simplement transfert qui cap fait au niveau de Haïti et comme d'adou moun nan on est là on est dans l'autre bord. Donc li vinn gen yon problème, donc Haïti cap chercher bloquer transfert dans immigration custom enforcement et notamment dans New Jersey. C'est premier legal challenge que yon fait contre administration Biden nan. Donc y a chercher pour cap stopper pour que et bien prisonnier dans immigration pour yon transférer yon nan sanitary de remote location dans le pays ya firewall de famille ou de avocat ou et New Jersey. Donc il va côté par lui-même pour prendre un projet de loi qui interdit local et state correctional facility pour ta justement by place à fédéral autorité pour capable et kembe moun dans prison à cause immigration. Donc voilà guys et Jean dossier yoyer, il pas oublier toujours été connecté, dernière info nous toujours partager. Bye bye tout le monde.